Qu'est-ce que l'étirement de rotation en flexion lombaire? L'étirement de rotation en flexion lombaire est un excellent exercice pour vous aider à soulager les douleurs et les raideurs dans le bas du dos, les hanches et les jambes. Il peut contribuer à améliorer votre posture, votre souplesse et l'amplitude de vos mouvements. Comment réaliser cet exercice? Effectuez cet exercice en vous mettant à genoux. Placez vos mains sur un ballon. Penchez-vous lentement en avant, en gardant le dos droit, jusqu'à ce que vous sentiez un étirement dans le bas du dos et les fesses. Faites une rotation sur un côté et maintenez cette position pendant 10 secondes. Revenez au centre et répétez de l'autre côté. Répétez 10 fois. Quels sont les avantages de cet exercice? Il améliore la souplesse et les mouvements de la colonne vertébrale. Il aide à réduire les douleurs et les raideurs dans le bas du dos. Il maintient la mobilité de la colonne vertébrale. Qu'est-ce que l'extension lombaire passive? L'exercice d'extension lombaire passive est une forme de thérapie physique utilisée pour renforcer les muscles du bas du dos. Il est utilisé pour vous aider à gérer la douleur, ainsi qu'à améliorer la force, la posture et la souplesse du bas du dos. Comment faire cet exercice? Mettez-vous par terre, le ventre en bas, et mettez vos mains sur les côtés de votre épaule. Vos jambes doivent être droites et rapprochées. Soulevez lentement le haut de votre corps du sol à l'aide de vos mains. Maintenez cette position pendant 10 à 15 secondes tout en inspirant et expirant lentement. Répétez cet exercice 2 ou 3 fois par jour, tous les jours de la semaine si possible. Quels sont les avantages de cet exercice? L'exercice d'extension lombaire passive peut être utilisé pour aider à récupérer d'une blessure ou d'une opération de la colonne lombaire. Il peut également être utile si vous souffrez d'arthrose au niveau de la colonne vertébrale. Cet exercice est également censé aider les personnes souffrant de lombalgie chronique. Qu'est-ce que le chiffre 4, étirement des fessiers? L'étirement des fessiers est un excellent exercice que vous pouvez faire pour détendre vos hanches et votre dos. Il permet d'étirer le muscle piriforme, qui est situé au plus profond de votre fesse. Comment réaliser cet exercice? Asseyez-vous sur une chaise, placez un pied sur le genou opposé, l'autre jambe étant tendue devant vous. Pour étirer vos fesses, poussez sur votre genou pour ouvrir la jambe et redresser votre dos, jusqu'à ce que vous sentiez un étirement confortable dans votre fesse. Maintenez l'étirement pendant 3 secondes, puis relâchez. Répétez l'exercice de l'autre côté. Quels sont les avantages de cet exercice? Cet exercice est conçu pour vous aider à améliorer la souplesse et la mobilité de vos hanches. Il vous aide également à renforcer le bas de votre dos, ce qui peut prévenir les douleurs dorsales et vous empêcher de vous blesser en sollicitant trop d'autres muscles. Il peut également être utilisé dans le cadre d'une routine d'échauffement avant toute activité sportive ou séance d'exercice. Qu'est-ce que l'étirement statique des fléchisseurs de la hanche? L'étirement statique des fléchisseurs de la hanche à genoux est un exercice qui peut vous aider à récupérer des blessures et des tensions au niveau des fléchisseurs de la hanche. Il s'agit également d'un excellent moyen de s'échauffer pour les activités qui nécessitent une flexion importante de la hanche, comme la marche ou la course. Comment réaliser cet exercice? En position assise, mettez-vous à genoux sur un genou en formant un angle de 90 degrés avec la hanche opposée. Soutenez-vous en plaçant votre main sur une chaise. Pour étirer les muscles fléchisseurs de la hanche, basculez votre bassin en arrière vers votre colonne vertébrale jusqu'à ce que vous sentiez un léger étirement sur le devant de votre hanche ou de votre cuisse. Maintenez la position en gardant le haut du corps droit et le bas du dos plat, sans cambrure. Quels sont les avantages de cet exercice? L'étirement statique des fléchisseurs de la hanche. À genoux est un excellent moyen d'étirer vos hanches et votre dos. Cet exercice est utile pour les personnes qui ont des problèmes avec le bas du dos. Et il peut également aider à prévenir les blessures s'il est pratiqué régulièrement.